We decided to call back our European ambassador in Moscow, first to debrief him on the outcome and the development of the discussions we had yesterday night, and second to listen to him when he is explaining what is happening in Russia. This is an extraordinary measure. We never took it before. Theresa May hat uns bestimmte Erkenntnisse vorgelegt, aus denen wir schlussfolgern, dass sie wahrscheinlich nicht sehr unterschiedlich sein werden, wenn man auch die Analyse der OPCW dann hat. Wir werden natürlich sehr aufmerksam das verfolgen. Emmanuel Macron hat ja diese Behörde auch besucht und wir haben da auch Vertrauen. Aber wir glauben, dass die Analysen auch jetzt schon sehr fundiert sind und das ist auch von niemandem in Frage gestellt worden. Angela, de manière évidente, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne est inédit. Et c'est une agression contre la sécurité et la souveraineté d'un pays allié, aujourd'hui membre de l'Union européenne, qui impose une réaction. De manière évidente. Sinon, l'Union européenne décide de ne plus être souveraine. Ça n'est pas notre choix. Et c'est la décision que nous avons prise ensemble hier. Et comme l'a dit la chancelière, nous annoncerons dans les prochains jours les mesures de manière coordonnée et proportionnée, mais une réaction véritable à ce qui s'est passé. Et donc au moment où ce sera finalisé, nous l'annoncerons.